Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui, je voulais tout simplement parler avec vous de comment build Zhongli, donc du stuff de celui-ci. Bien sûr, la section commentaire est ouverte comme d'habitude pour débattre. C'est mon avis, encore une fois, et c'est normal que je le dise sur ma chaîne. Mais je lis attentivement tous vos commentaires et vos remarques sont parfois pertinentes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aurez build et comment vous voyez tout simplement le personnage dans votre team, la place qu'il a, etc. J'ai vu que vous étiez énormément hier à commenter ma vidéo sur Zhongli. D'ailleurs, merci à tous les nouveaux arrivants au niveau des abonnés, des gens qui soutiennent, etc. Je voudrais simplement vous dire à ce niveau-là que la vidéo que j'avais faite hier a s'adressé surtout aux gens qui ne savaient pas trop à quoi correspondait Zhongli. Donc Zhongli, en gros, c'est un tank de base. Il va pouvoir faire des dommages si vous le stuffez dommage comme n'importe quel perso. Hein. J'ai vu des gens dire que Barbara pouvait être forte avec un stuff hydro. Si vous avez envie de jouer Barbara avec un stuff hydro, il n'y a pas de souci. Vous êtes libre de la jouer comme vous voulez. Mais je voulais quand même appuyer sur le point que Zhongli a quand même des skills qui scale en fonction des PV. Donc plus vous allez avoir de PV sur le personnage, plus vous allez faire de dégâts sur l'ulti. Plus aussi vous allez avoir un bouclier qui va être important. Donc je trouvais ça dommage de le stuff avec des dégâts géo ou de l'attaque pourcent, de manière à ce qu'il fasse des dégâts, ce qu'il va faire si vous stuffez clairement avec de l'attaque, mais du coup vous allez perdre l'essence du perso et les skills de défense qui sont quand même assez importants sur le perso, surtout que de base il a une attaque qui est bien moindre que les autres persos, donc il a environ 230 d'attaque au level 80 contre 300 pour les DPS classiques. Ainsi que son bonus au dégâts géo, il va avoir 28% au level 80 contre 35-38% pour un mage. Donc voilà, il a des dégâts de base qui sont réduits parce que clairement il a une vocation à être plutôt du genre défensif. Mais si vous voulez l'orienter attaque, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Et de toute façon, dans cette vidéo, je vais parler un peu de tous les builds. Ceci étant dit, on va y aller. Donc là, je suis sur mon compte. J'ai commencé à faire tout simplement les drops pour mon Zhongli, donc tout ce qui est artefacts, etc. Donc j'ai drop des trucs qui sont plutôt pas mal. Du coup, je vais vous les montrer juste ici. On va utiliser le nouveau filtre qui va nous permettre ici d'avoir tout simplement les sets qu'on recherche. Voilà, roche ancienne juste ici. Donc ça va être le set Géo. Donc c'est la première alternative, le set Géo, qui va venir. Alors, lorsque on a le bonus de deux sets, donc avec deux artefacts de ce type, on va avoir un bonus de dégâts géo de 15% qui peut notamment proc sur l'ultimate qui va revenir toutes les 20-30 secondes. On a aussi l'explosion, donc lorsqu'on maintient la compétence qui va exploser les éléments géo environnants et infliger des dégâts. Après, comme je l'ai dit de base, c'est plutôt quelqu'un qui va se diriger vers un stuff défensif. C'est pour ça qu'ici, celui-là, je trouve très bon pour le coup. On a des PV 1%, attaque pourcent en substat, recharge d'énergie et PV flat. Donc, recharge d'énergie, très bon pour récupérer plus rapidement l'ulti. Les PV, c'est très bon parce que ça va rajouter des dégâts sur son ulti. Donc, à hauteur de 33%, des PV vont être convertis en dégâts sur l'ultimate. Et ça, c'est extrêmement bon. Et l'attaque, c'est toujours bon pour les auto-attaques classiques. Au niveau du set de 4 pièces, on va avoir un bonus qui est assez cool en fonction de la team que vous jouez. Moi, je vais jouer plutôt tank support, donc pour apporter du contrôle, mais aussi pour pouvoir boost ma catching. Donc, catching plutôt. Vous m'excuserez encore une fois pour la prononciation. Et ici, ça s'inscrit complètement dans ce processus-là. Donc, le set de 4 pièces. Lorsque vous obtenez un cristal issu d'une cristallisation, tous les personnages de l'équipe reçoivent un bonus de dégâts du second élément de la réaction de 35% pendant des secondes. Cet effet ne peut s'appliquer qu'à un seul élément à la fois. C'est-à-dire que lorsque je vais tout simplement appliquer l'élément électro avec ma catching, je vais changer, je vais mettre Zhongli, je vais infliger des dégâts géo. On a, vous savez, une particule élémentaire qui va se détacher et qui va conférer un bouclier électro, vu que j'ai fait la réaction géo plus électro. Bah, si je récupère ce bouclier et que je remets ma catching, je vais avoir un boost donc de 35% électro. Et sur le papier, ça m'a l'air plutôt énervé et très fort. Donc j'hésite complètement à prendre ce stuff-là. Sachant que le bonus de dégâts géo de 15%, il n'est pas non plus inutile du tout. Ça rajoute un peu de dégâts sur l'ulti, ça va être assez cool. Et sur l'explosion, donc, c'est un premier stuff sur lequel il y a une piste de réflexion. C'est pas le meilleur forcément,
Mais je trouve que ça peut être pas mal de le stuff dans, dans cette panoplie-là. Donc au niveau des stats, vous avez vu que moi, je vais principalement chercher des stats défensives pour les raisons que j'ai expliquées plus tôt. Donc on va avoir du PV pourcent principalement que je voudrais en stat principal, du PV flat en deuxième. Donc quand je dis flat, en gros, c'est pas du pourcentage, c'est des PV en valeur fixe. Donc ici on a PV 7%, 209 de PV en plus, de la recharge d'énergie, et c'est exactement ce que je vais venir chercher dans un premier temps, donc des PV et de la recharge d'énergie pour pouvoir spam ulti. Dans un deuxième temps, l'attaque pourcent, ça peut être très bon pour infliger plus de dommages, ainsi que le taux de critique, pourquoi pas. Au niveau de la défense, pourquoi pas, je pense qu'en fait il n'y a aucune stat qui est inutile sur Zhongli, clairement. Ça dépend après comment vous voulez stuff, mais clairement je pense qu'il n'y a aucune stat qui est inutile dessus. Sauf bien sûr les dégâts des dégâts anémaux ou électro. Ici on va avoir donc le cadran de base, encore une fois PV, recharge d'énergie. Donc là j'ai drop 2-3 items qui m'ont l'air plutôt pas mal. Ici on va avoir des PV en flat, du taux de critique et de l'attaque pourcent, donc tout ce qu'on recherche. Et encore une fois ici des PV, de la défense pourcent et de la recharge d'énergie. Donc je trouve que ce set est assez bon pour Zhongli et j'ai hâte de le tester pour voir ce qu'il donne. Donc ça c'est la première idée que j'ai eue. La deuxième ça va être tout simplement le set météore inversé. Donc le set météore inversé va pouvoir boost le bouclier. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est un set qui va plutôt jouer en DPS principal. Donc je vous explique. On va avoir donc ce set là qui va conférer, lorsqu'on va mettre deux artefacts, un bonus sur le bouclier de 35%. Ce bouclier là il est excellent. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'agit pas lorsqu'on change de perso. Si je mets Zhongli, j'active son bouclier et après je change pour mettre Kuching, bah la Kuching ne profitera pas de ces 35%, ils vont directement s'effacer lorsque j'ai changé de perso. C'est une info que j'ai eue récemment et je trouve ça extrêmement dommage pour le coup. Du coup, c'est plutôt un set qu'il faut jouer si vous voulez jouer Zhongli en personnage principal. Pourquoi ça? Parce que derrière, on va avoir en plus de ça, lorsqu'on met 4 pièces, les attaques normales et chargées infligent un bonus de 40% de dégâts lorsque le personnage est sous la protection d'un bouclier. Comme Zhongli va être permanent tout le temps sous bouclier presque, c'est un peu le principe du perso. Bah clairement, les 40% de dégâts, vous allez voir la différence. En plus de ça, on va avoir un boost sur le bouclier. Donc, il va être très bon défensivement et assez bon offensivement sans être non plus incroyable si vous avez seulement cette panneau-là. Mais je pense que cette panneau, ça peut être une deuxième piste de réflexion. Si vous voulez jouer perso en tant que perso principal, ça apporte des bonus sur le bouclier ainsi que des bonus sur les attaques normales. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, au niveau des stats, donc... on va venir chercher de la même façon plutôt des PV et de la recharge d'énergie pour l'ultimate. Si vous voulez jouer différemment en tant que DPS principal, je vous conseille plutôt PV, attaque pourcent à ce niveau-là, voire taux de critique derrière, pourquoi pas. Donc ça peut être un set où il y a une très bonne piste de réflexion et qui peut être plutôt intéressant. Il y a une deuxième chose donc, à laquelle j'ai pensé, c'est faire un mix des deux. Voilà, un mix des deux tout simplement. Donc on va venir récupérer juste ici les 35% de boost donc du set de DPS de la météore inversée, ainsi que le boost de 15% de dommages donc de la panoplie roche ancienne. Donc sur les dégâts géo, ça peut être un stuff qui peut être pas mal, ou encore une moitié gladiateur qui va augmenter l'attaque de 18%, ainsi que le bonus de la panoplie météore inversée. Juste ici, donc 35% de bonus sur le bouclier, 18% d'attaque. Ça peut être assez cool, sachant que si vous l'utilisez en perso principal, il va vraiment avoir une survivabilité qui va être pas mal du tout. Et il va pouvoir perdurer dans le combat. En fait, lors de la précédente vidéo, ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que le perso de base, j'indiquais ce qui était le plus simple pour le jouer, bien sûr, parce que mes vidéos constituent en fait un panel large au niveau... au niveau de l'audience, hein, c'est autant des gens qui jouent peu que des gens qui jouent beaucoup, etc. Et je voulais surtout que les gens qui jouent pas de manière ardue, on va dire, très poussée sur le jeu, puissent avoir mes conseils sur Zhongli. Donc je pense pour quelqu'un qui ne va pas s'investir à fond, c'est mieux de le jouer tank clairement, parce que la panoplie de dommages en fait va être beaucoup plus difficile à jouer. Et va pas être forcément ce qui va être de plus optimal, mais comme j'ai dit tout à l'heure, chacun joue de la façon dont il veut. Et tout ça reste mon avis, bien sûr. Au niveau de tout ça, c'est ce que je conseille moi dans un premier temps. Donc moi, comme je vous l'ai dit, vu que je vais jouer plutôt support, on va venir plutôt récupérer les 35% de boost de dégâts sur la panoplie Géo. Et au niveau de la panoplie météore inversée, je pense que c'est plutôt quand on va venir le jouer de manière solo. Et...
je pense que clairement, il va quand même être très bon sur la durée de toute manière. Hein. Je l'avais dit, parce que c'est bouclier en fait. Si vous arrivez à stacker assez de PV pour qu'il ait des boucliers assez importants, vous allez mettre son bouclier, taper, taper, remettre son bouclier derrière, faire ça indéfiniment. Même s'il fait 80% des dégâts d'un DPS classique, il va pouvoir au fur et à mesure du temps, bien sûr, venir à bout du boss, peut-être même sans perdre un seul PV, si vous avez bien augmenté la vie de ce personnage-là. Au niveau des autres sets, je pense que là j'ai fait le tour de. J'ai fait le tour de ce que moi je pensais bon. N'hésitez pas si vous avez des idées à me les mettre dans les commentaires et à les signifier. Vous inquiétez pas, je les lirai. Et ça me permet aussi de voir un peu ce que vous en pensez. Au niveau du set aussi, il y a un set qui donne de la recharge d'énergie. J'y ai pensé, pourquoi pas, sachant que moi je joue support et que je veux spam la météore pour récupérer plus vite l'ulti. Mais je pense pas que ça soit optimal du tout. Je pense que clairement, les trois panneaux que j'ai présentés ici sont dans les meilleurs, hein, sachant qu'on mélange les sets et selon l'utilisation que vous en faites, vous jouerez tel ou tel set. Donc voilà, en clair, ça va être pour moi, lorsqu'on joue plutôt tank, contrôle, support, une panneau complète Géo pour booster de 35% l'attaque d'un autre perso qui va arriver. Donc ici, moi, Makuching. Au niveau solo, donc moi, ça va être plutôt soit un set météore inversé pour booster le bouclier et faire plus de dégâts sur les attaques classiques, soit un set météore inversé de deux pièces avec deux pièces aussi du Berserker pour avoir 18% d'attaque ou encore du set Géo pour augmenter de 15% les dégâts de la météorite par exemple. Au niveau des stats principales, je vous conseille clairement d'aller sur les PV, sachant qu'ils scale avec les PV, ça serait dommage de s'en. Ça serait dommage de s'en priver, voilà. Ça serait dommage de s'en priver. Et je pense qu'on a fait le tour ici de ce que je pense. Zhongli devrait arriver d'ici une dizaine de jours. On aura le temps de le tester. De toute façon, on fera les invocations en live et on espère l'avoir à la première pitié, vraiment. Comme d'hab, si vous avez apprécié la vidéo, le petit pouce bleu et l'abonnement, ça ferait extrêmement plaisir. On peut se retrouver sur Twitch ce soir à 19h30 si vous voulez en discuter. Il n'y a pas de problème, le Twitch est dans la description. C'est MOHASMT. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Beaucoup de luck pour vos invocations. Ciao, ciao. À la prochaine.